Donc, cette idée part d'un premier concert qui a été fait ici à la Maison Lacombe le 13 juin dernier 2014. J'accompagnais alors Roxane Sicard au violon. Nous avons fait un concert de musique de film. Bien entendu, il n'y avait pas de musique d'enfants, de films d'enfants, mais j'ai proposé à la coordonnatrice qui était là, puis elle a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, nous voici, nous voilà, mais j'avais besoin de quelqu'un pour animer ce spectacle. Et j'ai choisi mon amie et collègue Annie Gravel, qui va sûrement peut-être vous dire plein de choses aussi. Heureusement que je l'ai d'ailleurs. Ben, pour moi, c'est un cadeau, en fait, parce que avec le temps, j'ai développé dans ma profession une spécialité, si on veut, en éveil musical. Alors, participer au Petit Bonheur, c'est un cadeau que je fais à tous les élèves que j'ai présentement. Alors, c'est très agréable de partager autre chose que l'école. C'est un grand plaisir. Moi, je suis très contente d'être avec Emily, de partager ce spectacle. On en a fait plusieurs quand même, on a travaillé ensemble avec les petits. Moi, c'est pas mal, c'est le premier que je fais avec les tout petits, mais je suis très active dans le milieu de l'accompagnement, dans le milieu classique, donc c'est pas le premier spectacle. Ici à la Maison Lacombe, j'en ai fait plusieurs, des dizaines. En duo, toutes les deux. Oh, toutes les deux, on a fait quelques concerts. Oui. Lorsque Annie était très jeune, je l'accompagnais aussi dans les concours. Donc, c'était ma première accompagnatrice. Ça ne me rajeunit pas, mais c'est la vérité. Ben moi, c'est la belle au bois dormant. Alors, toutes les jeunes filles rêvent de l'amour et tout ça. Puis quand on chante ça, il y a des frissons. On ressent l'amour, on a le goût d'être dans ce monde-là. Alors, la belle au bois dormant, puis j'ai aussi la belle et la bête que j'aime énormément. Ben moi, je vais sortir du cadre des films d'enfants. Je suis plus attirée vers des musiques de films du genre, entre autres, la liste de Schindler, que j'aime beaucoup jouer, accompagner avec le violon, c'est magnifique. Et puis, il y a une autre musique que j'aime beaucoup, c'est Le Facteur Il Postino, une musique d'un très vieux film, mais que j'adore jouer. Je pense que c'est mes deux préférés. Si l'occasion se présente, oui, avec plaisir. On serait très heureuse de le refaire, même le même spectacle ou un autre. Je pense qu'on a bien hâte de le faire. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un très bon spectacle. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci.